Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Anne Chevalet, je suis Chief Curator du Musée Olympique et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la Fondation Olympique pour la culture et le patrimoine, plus exactement les ressources qui peuvent être mises à disposition, notamment pour les chercheurs et différents types de publics. La Fondation olympique pour la culture et le patrimoine se situe donc à Lausanne, plus exactement à Ouchy pour ceux qui connaissent la place. Elle est gérée par sa directrice Angelita Théo, avec également Yasmine Mestri. Et cette fondation repose en fait sur quatre piliers: les affaires culturelles internationales, le centre d'études olympiques, le patrimoine et le musée olympique. Alors, on va surtout se concentrer sur les trois derniers, le centre d'études, patrimoine et musée, en commençant par le premier qui certainement vous est le plus familier. C'est le centre d'études que vous avez certainement tous déjà côtoyé et vous connaissez certainement la responsable Maria Bogner. Donc, la mission du centre d'études, c'est vraiment de rendre la connaissance olympique accessible et de soutenir l'éducation, l'enseignement et la recherche universitaire. C'est vraiment ce pont entre olympisme et monde académique. Les objectifs, c'est effectivement de tisser des liens avec la communauté académique, de faciliter le dialogue entre le monde universitaire et le CIO. Obtenir des analyses sur des points très précis et des analyses de haute qualité par des universités sur des sujets définis sur l'olympisme et son évolution et son histoire. Il y a aussi un programme de bourse qui permet justement d'élargir ses recherches et de permettre justement des recherches dans des secteurs extrêmement différents et dans des parfois qui sont reliés à une certaine actualité, notamment un programme de bourse pour des recherches olympiques avancées, mais aussi un programme de bourse pour les doctorants et les jeunes académiques. Tout ce centre d'études en fait est aussi accessible à travers un point d'accès centralisé qui est l'Olympic World Library et qui est qui met à disposition un catalogue, une véritable librairie en ligne avec un moteur de recherche, un portail d'information pour toutes les publications qui émanent à la fois du Comité international olympique, des comités d'organisation des Jeux, des comités nationaux olympiques, des fédérations internationales, donc qui sont à disposition là. 38 000 titres au total, 11 500 documents en format digital, bien sûr, et 420 journaux. Donc, c'est vraiment un point d'accès extrêmement important, mais je pense que pour vous, il est déjà extrêmement connu et utilisé. Il y a aussi des collections qui font partie du centre d'études, qui sont gérées par le centre d'études, notamment tout ce qui concerne les rapports officiels des Jeux olympiques, les dossiers de candidature des Jeux, revues olympiques, chartes olympiques, les références proposées par le centre d'études, et surtout ce qui est intéressant, des zooms sur certaines thématiques qui sont abordées en général avant une édition des Jeux, mais aussi qui peuvent être commanditées par le CIO ou par aussi des unités de la Fondation, comme par exemple pour une exposition ou une recherche très précise dont nous aurions besoin pour un projet culturel ou autre. Donc, nos collègues du centre d'études vont compiler un dossier qui peut ensuite être mis à disposition d'un public plus élargi. Donc, différents moyens de rester connectés. Ici, vous avez toutes les adresses de ce centre d'études qui est effectivement une première entrée quand on veut faire des recherches au sein du monde olympique, du monde académique. Je voudrais cependant quand même vous montrer d'autres aspects de la fondation et notamment s'arrêter un petit peu sur le patrimoine. Le patrimoine géré, donc, qui constitue chez nous une unité particulière.
peut-être aussi d'attirer l'attention sur la diversité de ce patrimoine. Il est en fait réparti selon trois axes. Le premier, c'est tout ce qui concerne les objets. On verra dans le détail ce que l'on entend par là. Il y a ensuite les archives historiques et puis un fonds extrêmement important, un fonds images et sons, qui constitue aussi un grand pilier de notre patrimoine olympique. Si nous allons maintenant plus en détail sur les objets, il faut savoir qu'il y a plus de 75 000 ou 75 000 objets différents dans nos collections qui viennent des différentes parties du monde. Et ce qui est intéressant dans cette diversité, c'est de découvrir vraiment des objets qui vont bien au-delà de l'équipement sportif qui pourrait souvent être... Quand on pense aux collections du Musée olympique, on pense souvent chaussures, équipements sportifs. Mais effectivement, on découvre qu'il y a une pléthore d'objets extrêmement divers qui part évidemment aussi de l'équipement sportif, mais aussi de tout ce qui a trait à la symbolique olympique, comme les médailles, le relais les torches olympiques. Tout ce qui concerne aussi les costumes des cérémonies, les décors en lien avec les cérémonies d'ouverture, mais aussi un grand nombre d'œuvres d'art classiques, mais aussi plus contemporaines. Donc, le but est de préserver, d'acquérir, de préserver, de restaurer certains de ces objets et puis de les rendre disponibles pour alimenter des programmes, des expositions de divers natures dont on reparlera tout à l'heure. On parle d'objets, mais on parle aussi d'archives historiques. Nous avons plus de 1,5 km de documents, d'archives à disposition qui illustrent différents moments de l'histoire du CIO, pas seulement des Jeux, mais du CIO de 1896 à 2005. Des éléments extrêmement aussi différents les uns des autres. Il peut y avoir des procès-verbaux de séances, mais il y a aussi de la correspondance, il y a des brochures, il y a même des contrats, des cartes géographiques, il y a aussi des menus qui étaient proposés lors différentes sessions. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent paraître un peu anecdotiques certaines fois, mais d'aller vers des documents beaucoup plus importants comme des éléments fondateurs. On a fait l'acquisition récemment du manifeste olympique écrit de la main de Coubertin pour annoncer la naissance du mouvement olympique moderne. Nous arrivons maintenant aussi à ce troisième pilier des collections, notamment la collection images et sons, avec aussi là une politique d'acquisition, de restauration et de documentation de ce patrimoine et que l'on souhaite mettre à disposition aussi d'un grand nombre d'utilisateurs, de personnes intéressées, de nombreux stakeholders. Nous avons, pour rester dans les chiffres, environ 45 000 heures de vidéos qui sont accessibles, 52 films olympiques qui ont été restaurés, donc qui ont fait l'objet d'un long programme de restauration pour être disponibles et consommés, si j'ose dire, dans des conditions absolument remarquables. Parmi ces films historiques, il y a aussi tous les rushs qui représentent à peu près 1000 heures de rushs olympiques sur l'histoire des Jeux. Et puis, une documentation extrêmement intéressante liée à ces films olympiques. 650 000 photographies et enfin 15 000 heures de documents sonores qui couvre 3500 heures pour les Jeux olympiques d'été et 2000 heures pour les Jeux d'hiver. Donc, c'est quelque chose aussi du matériel extrêmement intéressant à prendre en compte aussi. Et j'écoutais la présentation ce matin
sur Mexico 68 et la force des images, l'importance de pouvoir travailler avec l'image pour partager en fait une thématique avec le public. Ce sont des éléments extrêmement précieux. C'est comme une caverne d'Ali Baba ou avec des pépites absolument formidables pour découvrir cette histoire olympique. En fait, pour résumer, il y a vraiment pour la partie héritage, la partie patrimoine, ce désir d'acquérir, de préserver, de conserver les objets qui soient à la fois physiques, mais aussi les collections digitales, de mettre à disposition à travers The Olympic Multimedia Library, ce qu'on appelle TOML, de mettre à disposition tout le fonds photographique et audiovisuel. Tout n'est pas sur TOML, mais une grande partie, et ça donne déjà une idée de l'incroyable diversité qui est à disposition. C'est aussi de la part de nos collègues d'héritage du patrimoine de nous aider à documenter aussi ces objets, ce patrimoine pour pouvoir ensuite l'exposer, le proposer pour des prêts et d'autres projets culturels et je dirais même des projets aussi éducatifs. Il y a aussi le souhait de chercher des moyens très innovants de conserver ce patrimoine, d'avoir des moyens vraiment de pointe pour répondre aux nouvelles exigences et de pouvoir vraiment mettre à disposition le plus longtemps possible ces images, notamment avec une recherche toujours en cours sur les moyens de préserver. Aussi une manière de mettre en valeur l'expertise de nos collègues et leur connaissance sur ces expositions, de pouvoir le partager avec les personnes qui sont demandeuses et qui recherchent justement des informations sur certains sujets. Et surtout de développer ce patrimoine. Il y a des acquisitions, il y a des donations, des achats bien sûr, mais aussi une manière de développer ce patrimoine en réalisant ou en produisant les films olympiques, mais aussi en développant une série d'interviews qu'on appelle les Words of Olympians. C'est une collection qui a démarré il y a quelques années et qui met en évidence les Olympiens, que ce soit de grands champions, mais aussi d'autres Olympiens qui ont des parcours de vie un petit peu différents, qui n'accèdent pas forcément au podium, mais qui, de par leur expérience des Jeux, amènent aussi un témoignage extrêmement intéressant. Cette collection a aussi l'ambition de s'élargir à d'autres interlocuteurs, notamment les créateurs, les designers, les architectes, les artistes, les chorégraphes, les musiciens qui participent par exemple à la cérémonie d'ouverture, tous ceux qui participent à l'identité visuelle des Jeux, toutes ces personnes, tous ces acteurs qui contribuent à donner une touche à l'histoire olympique. Nous aimerions les inclure aussi dans cette collection. Donc, c'est aussi une manière d'enrichir ce patrimoine et de le faire évoluer. J'arrive maintenant vers le musée olympique. Le musée olympique, vous l'aurez compris, c'est la pointe de l'iceberg, puisque derrière il y a le centre d'études, il y a le patrimoine, il y a donc d'autres entités. Mais le musée olympique va nous permettre de mettre en musique tout ce patrimoine et toutes ces connaissances. Un bref historique, je ne vais pas aller dans le détail, mais déjà en 1915, quand le CIO s'établit à Lausanne, Pierre de Coubertin a déjà l'envie de créer un musée. Il y a un musée très très petit au centre de Lausanne, qui n'est pas forcément ouvert au public, mais qui montre déjà les premières collections de Coubertin. Et il faut attendre Juan Antonio Samaranch pour avoir la création du musée olympique tel qu'on connaît aujourd'hui, bien qu'il a eu de nombreuses restaurations. La dernière en date date de la fin 2013, où on a maintenant le musée actuel, avec des idées aussi de changements pour les prochaines années, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure.
Et puis aussi en 2006, s'est créé le réseau des musées olympiques avec plus de 30 musées qui font partie de ce réseau et qui sont disséminés dans le monde entier. La mission du musée, c'est de présenter, d'exposer, mais surtout d'interpréter ce patrimoine olympique en exprimant aussi les valeurs olympiques d'une manière qui puisse résonner pour le public, qui puisse l'engager, lui donner un lien fort avec le sujet. Et aussi de travailler d'une manière à la fois locale, puisque le musée se trouve à Lausanne, mais aussi de répondre à l'institution avec des participations et des projets internationaux. La manière dont nous travaillons, c'est évidemment d'être un storyteller, d'apporter une valeur ajoutée à ce patrimoine olympique en créant des expositions, des publications, en introduisant ce patrimoine olympique dans des projets pédagogiques et inciter à des expériences participatives de la part de notre public. D'essayer de tisser un lien, de connecter en fait le visiteur et son quotidien avec les sujets que nous abordons. Souvent, on a visité le musée, en tout cas dans les premières années, avec effectivement, on regarde l'Olympien, le médaillé comme quelque chose, un personnage qui est difficilement égalable. On voudrait changer aussi un peu cette perspective en mettant justement la possibilité pour le visiteur de s'identifier aussi à des parcours de vie propres aux athlètes, et tous, encore une fois, n'ont pas accès au podium, mais d'avoir aussi à travers les valeurs qui sont défendues par le CIO et le mouvement olympique, les visiteurs se sentent faire partie de ce mouvement et ne sont pas seulement admirateurs des grands champions, mais aussi puissent voir aussi ce que peut leur apporter les messages olympiques. C'est aussi un moyen de faciliter la compréhension de l'olympisme et de ses valeurs à travers des moyens innovants, interactifs, et puis aussi d'éveiller d'avoir une prise de conscience de la part de nos visiteurs sur la dimension multidisciplinaire de l'olympisme. Souvent, on réduit les jeux à du sport. Vous savez bien effectivement que ça va bien au-delà, et c'est aussi notre mission de montrer que à travers le sport, on touche à des sujets de société. On peut parler d'art, on peut parler de design, d'architecture, on peut parler des sciences et de technologie. C'est vraiment une palette de possibilités extrêmement forte, et nous aimerions vraiment pouvoir mettre en valeur et donner une visibilité à cette multidisciplinarité de l'olympisme. Et puis, bien sûr, d'atteindre, de travailler avec nos audiences locales, mais aussi de mettre en place, grâce à évidemment le digital, d'avoir un écho de plus en plus important avec des audiences à l'international, et aussi de nourrir certains projets par l'unité internationale de la Fondation, de nourrir certains projets dans les pays hôtes des Jeux, mais aussi dans d'autres institutions et dans d'autres pays du monde. Là, ça résume un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Nos champs d'activité, notre expertise, c'est vraiment évidemment le côté muséographie, où nous avons cette habitude de mettre en valeur les objets, les images, et de montrer les différents angles d'approche qu'un simple objet peut fournir. On peut mettre une chaussure dans une vitrine, et puis la rendre extrêmement importante parce qu'on va raconter à qui elle a appartenu, et on va dévoiler quelque chose d'extrêmement lié à une gloire du mouvement olympique. On peut l'aborder aussi à travers son aspect technique et la technologie aussi qui a été utilisée pour développer cette chaussure.
Et à ce moment-là, l'angle sera totalement différent. Et on peut aussi l'aborder sous l'effet de la mode et l'influence du sport dans la mode. Si on parle des chaussures, il y a eu de nombreuses expositions, par exemple sur les sneakers. Et on voit cette importance du monde sportif dans le monde de tous les jours. Donc, c'est un exemple parmi bien d'autres de cette façon où l'on peut raconter une histoire avec des angles extrêmement différents. Un autre champ d'expertise, c'est évidemment la médiation, l'éducation, le digital avec tout ce qu'on peut aussi apporter au niveau de l'expérience de visite, mais aussi des produits en ligne, les publications et puis les programmes, l'événementiel qui permettent aussi de développer une thématique autrement que par le biais d'une exposition avec des invités, avec un échange avec les publics d'une manière aussi plus détendue. Les expositions permanentes, donc nous avons 3000 m² à disposition actuellement avec dans un premier temps tout ce qui concerne le mouvement olympique avec l'explication en fait de ces valeurs olympiques transmises à travers les symboles, les aspects iconiques des Jeux à travers les anneaux, le relais de la flamme, etc. On parcourt ensuite les Jeux olympiques à travers aussi les sports au programme, l'évolution de ces sports au programme et puis les grands moments, les temps forts des Jeux et des compétitions. Et enfin, l'esprit olympique à travers une approche plus intime avec les Olympiens, à travers ces fameuses interviews dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour découvrir aussi d'autres facettes des athlètes et aussi de découvrir d'autres projets au-delà des Jeux olympiques, de montrer les projets dans lesquels le CIO s'est engagé en dehors des Jeux olympiques, à travers les projets éducatifs, le sport pour tous, les projets de sustainability, de montrer en fait les différentes actions bien au-delà de l'événement JO, qui est bien sûr le climax de l'histoire du CIO, mais entre deux, il y a aussi ces différentes actions menées par le CIO. Et en plus, là, nos expositions temporaires qui vont donner un coup de projecteur sur une thématique bien spécifique et qui va nous permettre d'emmener nos visiteurs et les faire prendre conscience sur des aspects peut-être moins connus, par exemple l'identité des Jeux olympiques, l'importance de cette évolution de l'identité olympique à travers les éditions des Jeux. Ça peut être aussi de mettre en avant un aspect de la culture du pays hôte, avec par exemple Tokyo, le sport dans le manga, et de montrer comment le sport et les Jeux olympiques s'exprimaient à travers le manga. C'est vraiment toute une pléthore de thématiques. On a travaillé sur le temps et le sport. On a collaboré notamment aussi avec Nicolas sur différents projets. Donc, ça nous permet vraiment de mettre en avant une thématique et de la développer en ayant des publications et puis différents événements liés à cette thématique. Donc, voilà, c'est un parcours un peu rapide que je vous donne ici pour vous inciter à, pour ceux qui ne connaissent pas le musée ou la fondation, de venir nous voir si vous êtes sur Lausanne et puis de continuer la conversation pour des recherches qui peuvent aller bien au-delà des archives du centre d'études, mais vraiment aussi de donner leur place au patrimoine, vraiment, que ce soit le patrimoine audiovisuel, photographique ou des objets, où il y a vraiment des histoires extraordinaires à raconter. Et puis aussi, donc je vous parlais des changements qu'on espère pour un futur assez proche, de développer, quand je vois les sujets qui sont abordés à travers ce colloque aujourd'hui, ça évidemment c'est des choses qui nous intéressent, on en parle notamment beaucoup actuellement avec Nicolas, pour effectivement faire de cette rencontre entre les éditions des Jeux et le mouvement olympique et la société
un point fort, un temps fort dans les expositions permanentes. C'est déjà le cas déjà aujourd'hui, mais on aimerait développer cet aspect-là pour en faire un outil didactique et extrêmement fort dans l'expérience de visite future. Donc voilà, mais ça, c'est des projets dont j'espère avoir l'occasion d'en reparler pour vous dire que vraiment, nous sommes intéressés d'entretenir ce lien avec vous et de mettre à disposition tout ce matériel, tout ce patrimoine pour les recherches en cours ou à venir.